Vous savez qu'au niveau de l'INPP, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de projets qui sont en exécution pour le moment, et avec les Japonais, et avec les Espagnols, et avec les Italiens, et avec les Français de l'AFD. Et donc, nous avons une intense activité au niveau du ministère, et beaucoup d'activités sont en cours. C'est pour cette raison que nous avons décidé de relancer, d'éditer un bulletin, disons un journal de l'emploi, qui permettra à ce que l'opinion puisse suivre nos activités, parce qu'effectivement, comme il y en a beaucoup, il est difficile de pouvoir les résumer en si peu de temps. Nancy Diaby, Marianne Bemba. Dit-il Valois. Emile. Omo Koko Zozo. Mi barara kwe Aïta Tibangi. Mais comme vous le savez, le directeur général du BIT a insisté sur le travail décent, qui était déjà un thème de l'année passée, mais cette fois-ci, on voudrait élaborer un plan stratégique pour 6 années qui vont venir, de manière à répondre aux préoccupations du moment, et on a mis l'accent sur la protection sociale, étant entendu que la protection sociale doit être élargi au plus grand nombre des habitants, donc de la population. Et donc pour cette année, on a examiné les mécanismes, on a demandé à chaque État de mettre en place un système de socle national de protection sociale. Nous, en ce qui nous concerne, en République démocratique du Congo, comme vous le savez, aussitôt que nous sommes rentrés de la dernière session, nous avons immédiatement entrepris d'apporter les réformes dans les domaines de protection sociale. Et le premier pas qu'il fallait faire, c'était d'abord d'organiser le Conseil national du travail pour apporter les réformes législatives. Et cela explique qu'un code de sécurité sociale, un avant-projet de code de sécurité sociale, a été adopté au niveau du Conseil national du travail, lequel code a été soumis au gouvernement, qui l'a adopté, et après adoption, il a été transmis au Parlement. Donc au moment où nous parlons, ce projet de texte est en train d'être examiné d'abord au Sénat, ensuite il ira à l'Assemblée nationale.
Nous avons organisé beaucoup d'activités. Comme vous le savez, au niveau de la tripartite, nous avons signé d'abord un document d'engagement pour qu'on puisse créer les conditions de sécurité, les meilleures conditions de sécurité dans le monde du travail. Nous avons au niveau du pays mis l'accent sur le genre, c'est-à-dire l'équité, entre l'égalité entre l'homme et la femme en ce qui concerne le monde du travail. Nous avons mis l'accent sur, comme je l'ai dit, l'emploi des jeunes. On a lancé des activités au Katanga pour que les jeunes gens qui s'adonnaient à l'exploitation des minerais et autres puissent justement apprendre un métier et faire autre chose que d'aller creuser les minerais où, comme vous le savez, ce sont des emplois précaires. Et nous avons organisé au niveau du pays, comme je vous l'ai dit, la 30e session du Conseil national du travail, à l'issue de laquelle un certain nombre de mesures ont été prises. Nous avons pensé que pour améliorer les conditions des retraités et que la pension de retraite soit significative, il faut revoir un tant soit peu à la hausse le taux de cotisation. En commençant d'abord par généraliser les allocations familiales sur l'ensemble du territoire national, au lieu que ce soit seulement le Katanga. Mais en plus, nous allons examiner avec les partenaires sociaux comment remonter le taux de cotisation, parce que comme vous le savez, ceux qui cotisent mieux ont la meilleure retraite aussi, et donc et vice-versa. Vous savez qu'au niveau de l'INPP, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de projets qui sont en exécution pour le moment, et avec les Japonais, et avec les Espagnols, et avec les Italiens, et avec les Français de l'AFD. Et donc, nous avons une intense activité au niveau du ministère et beaucoup d'activités sont en cours. C'est pour cette raison que nous avons décidé de relancer, d'éditer un bulletin, disons un journal de l'emploi, qui permettra à ce que l'opinion puisse suivre nos activités. Parce qu'effectivement, comme il y en a beaucoup, il est difficile de pouvoir les résumer en si peu de temps. Nous allons terminer peut-être par dire un mot par rapport aux activités ici à Genève. Vous avez reçu toute la délégation, il y a eu beaucoup d'audiences. Vous pouvez nous résumer cela en un mot ? Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. J'aimerais peut-être demander à l'un des partenaires de nous faire le point de la situation. Je vais commencer par Monsieur Guy Kolela, le président de l'intersyndicale. Après, nous allons écouter Monsieur Atibou qui représente les employeurs, pour nous faire le point de la situation et voir qu'est-ce qui reste à faire. Oui, nous avons eu beaucoup de réunions. D'abord, la réunion de toute la délégation tripartite pour faire le point sur les travaux qui se font dans les différentes commissions, que ce soit la commission des normes, la commission de la protection sociale. Et toutes les commissions, à chaque jour, nous faisons le point pour savoir qu'est-ce qui nous est demandé, qu'est-ce que la RDC doit faire, qu'est-ce qu'il reste à faire. Mais j'ai noté que cette fois-ci, au niveau des normes, nous avons été conformes. Donc la RDC n'a pas été interpellée, contrairement aux années antérieures où chaque fois la République démocratique du Congo était interpellée sur le non-respect des recommandations de l'OIT. Cette fois-ci, nous avons été félicités et je crois que c'est une bonne chose. L'autre réunion à laquelle nous avons pris part, c'est celle du CRADAT. Le CRADAT a tenu sa 37e session extraordinaire, la 32e session extraordinaire, au cours de laquelle on a examiné les aspects budgétaires, mais aussi le programme de cette année et de l'année 2014. Là aussi, la RDC, contrairement aux années antérieures, qui traînaient beaucoup d'arriérés de cotisations, la RDC
a été pointé comme l'État modèle qui n'a aucun arriéré, qui est en ordre de cotisation jusqu'à l'exercice 2013. Et je dois dire aussi que, en marge toujours de notre passage à Genève, nous avons eu une réunion importante avec le département de protection sociale. C'est au niveau des échanges que nous avons eus, nous avons demandé que ce département puisse nous accompagner dans la création de l'école régionale de sécurité sociale, à l'instar de ce qui s'est fait au niveau du Maghreb en Algérie. Nous avons convaincu le département de la protection sociale pour qu'il vienne financer, cofinancer la création de l'école pour toute l'Afrique centrale de sécurité sociale. Et comme nous avons déjà des installations avec le centre de formation de l'INSS à la cité Maman Mobutu, vous le savez, sur la colline, il va falloir tout simplement réhabiliter les installations et les adapter aux besoins de manière à ce que cette école soit réellement opérationnelle. Monsieur Tarcisse, vous venez de vous entretenir avec la délégation congolaise. Pouvons-nous savoir de quoi était-il question exactement? Et la délégation congolaise a été reçue au département de la protection sociale du BIT et pour nous entretenir des rapports de coopération qu'il y a entre la République démocratique du Congo et le BIT et des relations de coopération qui datent de plusieurs années. Surtout le ministre du Travail nous a parlé des progrès et des perspectives réalisées dans le domaine de la protection sociale en République démocratique du Congo. Il nous a parlé des réformes en cours, des réformes de la législation pour adapter les dispositions de la sécurité sociale au temps moderne et aux besoins des populations. Il a parlé également de l'organisation des systèmes de protection sociale qui va évoluer en éclatant l'Institut national de sécurité sociale en plusieurs institutions de sécurité sociale spécialisées qu'on appellera désormais caisses de sécurité sociale. Et avec l'objectif de rechercher plus d'efficacité. Et le ministre a évoqué aussi le besoin de mettre à jour les compétences des cadres et il a exprimé le désir de voir le BIT coopérer dans le domaine de la formation des cadres de la sécurité sociale et dans le pays. Nous avons examiné beaucoup d'autres questions. Nous avons insisté aussi que le personnel du BIT, le personnel local, puisse également se conformer au texte de loi régissant la sécurité sociale dans notre pays en cotisant mensuellement à l'INSS de manière à ce que nous puissions préparer la pension de ces compatriotes qui ont été engagés localement au niveau au niveau du BIT. Ce sera la même démarche auprès des autres organismes des Nations Unies. Oui, le groupe FINACTU nous a présenté le rapport synthèse de l'étude qu'il a faite sur le régime de sécurité sociale. Et c'est une étude actuarielle qui vise d'abord à démontrer la viabilité de notre régime. Donc nous sommes venus ici pour écouter le rapport préliminaire, en attendant qu'il puisse remettre officiellement le rapport au COPIREP. Oui, après la réunion, vous avez une impression que vous n'avez pas avant d'entrer dans cette salle? Oui, parce que je vis donc l'idée que je me suis faite tout d'abord. Donc je vis la présentation qui est une très bonne présentation, qui a pris en compte pratiquement la situation de notre régime de sécurité sociale en ce qui concerne la branche de pension. Donc nous avons compris que c'est une branche, bien sûr, nous devons faire attention, voir ce que nous pouvons faire pour que cette branche ne puisse pas être déficitaire. Et nous avons aussi compris les conseils qu'ils nous ont donnés donc, par rapport à l'amélioration
des prestations, comment est-ce que nous pouvons gérer ces enjeux, mais sans pour autant qu'on puisse frustrer aussi le partenaire social. Donc, je crois que sincèrement, on s'est fait une bonne idée donc, sur la situation de notre régime des retraites. Il y a l'idée de projet de centre de formation sur lequel le gouvernement est en train de cogiter à Kinshasa et plusieurs autres sujets. C'est ça. Oui, après ces interviews, les Congolais peuvent attendre de vous quelque chose de positif? Parce que notre bureau, nous avons un bureau à Kinshasa, comme vous le savez, et puis c'est un bureau qui est assez dynamique, même s'il s'occupe de plusieurs pays. Et nous comptons activer nos relations de travail avec le gouvernement et le peuple congolais. Donc ça, c'est tout à fait clair. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ici, sinon nous n'avons plus de raison d'être non plus. Merci beaucoup, monsieur. To all the 15 million people of Malawi. It is an honor for me also to be here today on the day of the elimination of child labor. This issue is top of on my agenda, and I'm pleased to be among friends who are fighters too against the exploitation of our children. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons aujourd'hui l'honneur et le grand plaisir de recevoir une grande dame, une dame qui a un parcours remarquable, une femme leader remarquable africaine, une dame qui s'est illustrée dans la lutte contre le travail des enfants, comme le témoigne l'initiative pour la création d'emplois des jeunes au Malawi et qui a été consacrée par la conférence nationale qui a été tenue au Malawi en octobre 2012. Une dame qui a été une grande avocate du dialogue social et du travail décent, une femme qui est une illustre avocate pour la cause de la femme africaine, de la femme dans le monde entier. Une femme qui symbolise ce que l'Afrique a de renaissance. Une femme qui symbolise le grand essor aujourd'hui africain. J'ai nommé Son Excellence, Madame Joyce Banda, présidente de la République du Malawi. Nous avons l'honneur donc de la recevoir et de pouvoir écouter la vision de Madame la Présidente sur les questions qui sont celles de la Conférence internationale du travail. Madame la Présidente, merci d'avoir accepté. Your Excellency, the African Union Ambassador. Excellences, les ambassadeurs de l'Union africaine. Excellences, Monsieur Richard Banda, chers messieurs et dames. Une fois de plus, au nom du gouvernement et du peuple du Malawi et en mon nom, permettez-moi de vous exprimer mon appréciation qui s'adresse au directeur général et à vous, Excellence, puisque nous avons été reçus avec tant de chaleur depuis que nous sommes arrivés dans cette très belle ville. Je remercie aussi Richard Banda, à côté de moi, mon meilleur ami, qui doit me supporter
au cours de tous mes travaux. Comme je l'ai dit en plénière, je saisis cette occasion pour remercier tous les hommes africains et je suis très fière d'être une femme africaine. Africa has demonstrated. L'Afrique a prouvé que nos démocraties ont mûri et que notre espace permet maintenant aux femmes de participer au leadership. Il ne faut pas penser que cela va de soi. Nous devons être fiers de ce que nous avons réussi en Afrique. J'ai été présidente pendant un an. Avant, j'étais vice-présidente. Avant, j'étais ministre des Affaires étrangères. Avant, j'étais ministre de l'égalité hommes et femmes. Et je ne me souviens pas d'un seul jour où un homme africain m'aurait regardé de haut. Et j'en suis très fière. Et nous, femmes africaines, nous devons beaucoup à nos hommes africains. Je suis devenue présidente de la République du Malawi le 7 avril 2012, dans des circonstances très étranges, comme vous le savez. J'ai accepté en toute humilité et avec beaucoup de sens de responsabilité cette lourde tâche. Et je vous promets que je m'acquitterai des fonctions qui m'incombent avec tout le dévouement et toutes mes capacités, aussi bien chez moi qu'à l'extérieur. Donc, je suis heureuse ici d'inscrire dans l'histoire cette première d'une femme à la présidence du Malawi et d'une femme en Afrique australe à ce poste, ce qui me permet de m'adresser aujourd'hui à vous en cette qualité. Ce n'est pas par accident. Je viens de la société civile moi-même. Je suis une militante. Je suis en faveur de manière fervente du tripartisme et du chemin qui mène vers la justice sociale. Toute ma vie, j'ai travaillé pour sauver les gens, surtout les gens les plus vulnérables. Et au cours de cette trajectoire, j'ai eu des contacts avec des gens de tous les bords, avec les employeurs et les travailleurs. Et je continuerai aussi longtemps que nous partageons la vision qui consiste à mieux servir nos peuples. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de venir ici. Parce que pour moi, je vais travailler dans cette fonction jusqu'à ce que le travail soit fait. Le Malawi s'engage à renforcer la justice sociale, à l'encourager et à créer des occasions de travail décent. Nous avons en place notre programme de travail décent et nous avons de bonnes relations de travail avec nos partenaires sociaux. En fait, j'ai nommé un ancien syndicaliste comme ministre du Travail dans mon pays. And by the way, as you can see... En fait, c'est une femme aussi, comme vous le voyez. J'ai rapidement décidé de m'adresser à elle parce que je respecte profondément le syndicalisme, qui est un véhicule permettant de renforcer les principes fondamentaux et les droits au travail, ainsi que la protection sociale et le dialogue social. Avec son passé d'un syndicaliste, j'étais convaincue qu'elle serait la bonne candidate à ce poste. Et je constate que jusqu'à maintenant, elle a très bien fait son travail. Dialogue. Le dialogue est devenu une manière de pouvoir résoudre les conflits de manière durable dans mon pays. Et je sais que ce processus doit commencer tout en haut de l'échelle. Tous ceux qui ont suivi ce qui s'est déroulé au Malawi depuis 3 ans savent que comme dirigeant, vous devez savoir pardonner, vous devez savoir concilier toutes les parties, quels que soient vos sentiments ou leurs sentiments à votre égard d'ailleurs. Et en tant que présidente, je vais chercher à renforcer les fondements de la croissance socio-économique dans nos pays sans considérer les frontières, pour que l'Afrique devienne un partenaire concurrentiel dans le développement et dans le commerce mondial. En août de cette année,
je vais devenir présidente de la SADC. Je compte sur le soutien de l'Organisation mondiale du travail et de tous les mécanismes dont elle dispose, cette organisation, pour que nous puissions faire avancer nos objectifs. Nous avons eu le sommet d'Addis Abeba récemment et j'ai constaté que l'OIT était présente à la réunion, représentée d'ailleurs par le directeur général en personne. Nous accordons beaucoup de valeur à la présence de l'OIT. Et le travail décent est un exemple typique. Nous le savons tous. L'Afrique fait face à d'énormes problèmes, des famines, la pauvreté, les catastrophes naturelles, la maladie, les changements climatiques, l'inégalité sociale et toutes sortes de contraintes qui nous empêchent d'améliorer la qualité de vie de nos peuples par une rapide transformation de nos économies. Cela nous empêche également de parvenir à une meilleure position de l'Afrique sur le monde, sur le plan global. Mais l'Afrique ne peut pas vivre dans le passé. Il faut qu'elle considère l'avenir. Et l'avenir, c'est se réorganiser, c'est renforcer nos structures tripartites, c'est utiliser les forces qui vont transformer le monde du travail de manière décisive. Et je suis d'accord avec ceux qui ont déjà dit que l'Afrique n'est pas un continent pauvre, mais que ce sont les gens en Afrique qui sont pauvres. C'est un paradigme très important lorsqu'il s'agit de l'avenir de l'Afrique. Nous sommes un continent riche. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un vent du changement qui souffle dans toute l'Afrique. Il y a une nouvelle récolte de dirigeants qui sont une relève qui va mener leur pays vers des niveaux démocratiques inimaginables il y a encore 10 ans. Il est encourageant de constater que 6 sur 10 économies qui croissent le plus rapidement au cours des dernières années dans le monde sont des pays africains. Cela montre très clairement que l'Afrique est un continent qui monte et la plus grande partie du progrès dont nous sommes témoins dépend justement des dirigeants qui se trouvent aujourd'hui en fonction. Des dirigeants qui pensent davantage à leur peuple qu'à eux-mêmes. Et c'est à eux, vers eux que je regarde, c'est d'eux que je m'inspire. Et je me souviens, lorsque j'ai entendu parler des grèves, et j'espère que je pourrai rentrer cet après-midi, j'ai réduit mon salaire d'un cinquième pour le remettre à des handicapés. Mais les bons dirigeants du continent m'ont inspiré à agir ainsi. Donc je vous lance un appel à vous tous. Agissez, agissez et agissez encore et agissez maintenant. Et bien que l'Afrique se trouve face à d'énormes tâches et à d'énormes défis, je pense que si nous les relevons collectivement plutôt qu'individuellement, nous pourrons les surmonter. Et enfin, mesdames et messieurs, je voudrais encourager mes congénères, les femmes. Le moment est arrivé pour les femmes de se lever et de montrer ce dont elles sont capables. Et j'encourage toutes les femmes à agir de manière décisive et décidée pour parvenir au poste de dirigeante que nos hommes ont créé pour elles. Être une femme ne suffit pas, mais il faut considérer les questions liées au genre pour avancer dans tous les domaines. Donc, il faut inclure le genre dans toutes nos actions et il faut toujours trouver la meilleure capacité. Et c'est ainsi que je reconnais le rôle des hommes africains qui reconnaissent les capacités des femmes africaines. Et permettez-moi, mesdames et messieurs, pour terminer cette déclaration, de vous dire qu'en tant que femme africaine et en tant que présidente africaine, parmi des dirigeants africains qui sont mes pairs, et le président Nelson Mandela en fait partie, je lui souhaite la meilleure santé très bientôt. Dieu bénisse l'OIT et Dieu bénisse l'Afrique. Merci.
Thank you very much, Excellency. Merci, Votre Excellence, de cette vision et du leadership dont vous faites preuve. Possibilité de disposer d'un peu de temps de Madame la Présidente, nous allons le consacrer à échanger avec les distingués représentants qui sont ici. Et nous allons commencer d'abord par l'intervention du représentant de l'organisation mère, l'ambassadeur Jean-Marie Ouzou, ambassadeur de l'Union africaine. Et après lui, interviendront successivement les représentants des travailleurs, le représentant des employeurs et Son Excellence l'Honorable Madame Dorine Siaka, ministre du Travail et du Bien-être social de la Namibie, qui représentera les gouvernements. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je vous souhaite encore une fois la bienvenue, la très chaleureuse bienvenue à Genève. Au nom de la Commission de l'Union africaine, de sa présidente, Son Excellence Madame de la ministre Zuma, je vous remercie pour tous les excellents messages que vous avez délivrés et que vous délivrez encore ce matin à Genève. En venant ici, vous ne faites que précéder Madame Dlamini Zuma, car si tout va bien, Madame Dlamini Zuma elle-même sera ici pour délivrer un message du cinquantenaire de l'Union africaine à cette 62e conférence de l'OIT. Donc lundi prochain, elle vous succédera partout où vous êtes passé à Genève. Et en tout cas, soyez rassurés, les messages que vous avez délivrés ici, eh bien, ces messages lui seront reportés en temps utile. Je me suis trompé, je parlais de la 62e, c'est de la 102e plutôt, 102e conférence de l'OIT. 62e, c'était pour l'OMS. Elle était là pour l'OMS. C'était ça. C'est vous dire que les femmes se battent. Elles se battent et vous nous le démontrez en toute occasion. Elle est passée ici pour l'OMS, elle est partie pour le cinquantenaire de l'Union africaine, sommet auquel vous avez assisté, et puis elle revient encore pour parler aux travailleurs africains et délivrer le message à tout le monde entier, le message que l'Union africaine devra délivrer pour le monde entier. Je vous souhaite encore une fois bon séjour chez nous, à Genève, et vous dire que tout ce que vous faites pour la justice sociale dans votre pays est très remarquable, depuis que vous êtes à la tête de ce pays. Tout ce que vous faites pour lutter contre le travail des enfants, c'est apprécié et très apprécié. Tout ce que vous faites pour que la croissance soit bien répartie et créer beaucoup d'emplois dans votre pays, eh bien, cela aussi est très remarqué. C'est pour cela que nous vous encourageons à continuer toujours pour montrer, comme vous l'avez dit, ce qu'une femme peut faire, un homme peut faire, et ce qu'un homme peut faire, une femme peut faire. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. J'ai l'honneur de donner la parole aux représentants des travailleurs. Vous avez la parole. Thank you, Ambassadeur. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Je m'appelle Francis Artoli, je viens du Kenya et je suis le vice-président de l'USA. Et je suis également le vice-président de la Confédération des syndicats africains qui est basée à Bruxelles. Votre Excellence, Madame Joyce Banda, tous vos excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des gouvernements, Mesdames et Messieurs les représentants des gouvernements, chers employeurs, chers camarades, je voudrais tout d'abord remercier mes collègues qui m'ont permis de m'exprimer en leur nom. Je voudrais faire écho à ce qui
a été dit déjà en vous souhaitant la bienvenue. Ce matin, j'avais dit que, lors de notre réunion, que pourquoi faire une réunion de groupe lorsque notre président va s'exprimer devant nous. Il nous reste encore beaucoup à faire. Votre Excellence, je voudrais vous remercier tout particulièrement. Votre discours en plénière nous a beaucoup touchés. Nous appartenons à la classe ouvrière dans le monde et lorsque nous sommes affectés, c'est toute la population qui est affectée. Vous avez montré que vous avez parrainé 6 délégués des travailleurs au Malawi. Nous avons travaillé étroitement avec le Malawi pendant longtemps et notamment avec votre ancien vice-président qui a permis de donner corps au mouvement syndical en Afrique. Nous avons beaucoup de respect pour le Malawi et pour son peuple. Votre Excellence, vous avez parlé de sujets qui nous préoccupent. Notre organisation a pour objectif d'unifier les syndicats africains. Et encore une fois, nous parlons des économies africaines. Les gouvernements africains se félicitent de l'appui technique et financier qu'a fourni l'OIT à la plupart de nos gouvernements. Et nous souhaitons en particulier remercier l'OIT qui a placé les questions qui préoccupent notre continent à l'ordre du jour de la 102e conférence internationale du travail. Tout d'abord, la protection sociale dans le nouveau contexte démographique. Deuxièmement, le développement durable, le travail décent et les emplois verts. Et troisièmement, la discussion récurrente sur le dialogue social et le suivi de la déclaration de 2008 pour une mondialisation équitable. Les gouvernements africains remercient également l'OIT qui a lancé les programmes par pays pour le travail décent. Les gouvernements ont progressé vers la réalisation des priorités suivantes. Tout d'abord, la création d'emplois. Nous sommes convenus que la question du chômage est un problème pour la plupart des pays africains. C'est la raison pour laquelle la promotion de l'emploi est une priorité dans les programmes par pays pour le travail décent, pour nous assurer que les gouvernements accordent des opportunités égales aux jeunes et aux femmes. Et notamment pour une croissance riche en emplois. Deuxièmement, les gouvernements, en collaboration avec les partenaires sociaux, ont élaboré des politiques pour l'emploi qui sont alignées avec les programmes de développement. Et ces plans comprennent notamment la création d'emplois verts et se penchent également sur la question de la protection sociale. Et c'est un domaine prioritaire dans les programmes par pays pour le travail décent, pour nous assurer que les gouvernements mettent en place des politiques visant à renforcer les politiques pour les retraites, les différentes prestations et la protection sociale. Troisièmement, le dialogue social, qui est un domaine essentiel dans notre action et qui consacre le tripartisme. C'est le dialogue social qui permet aux structures tripartites de contribuer à l'élaboration de politiques. Les gouvernements doivent appuyer les travailleurs et les secteurs privés en ce qui concerne la couverture de protection sociale. Votre Excellence, on m'a également dit qu'il fallait qu'au nom des gouvernements,
je dise la chose suivante. La CIT est un événement important chaque année pour le, dans le calendrier de l'OIT pour ses mandants. Je voudrais donc remercier toutes les délégations qui sont venus assister à cette réunion tripartite importante qui examine différents sujets qui préoccupent la plupart des gouvernements. J'aimerais saisir cette occasion également pour féliciter le président de la 102e session de la CIT pour son élection à ce poste très important. Et permettez-moi également de remercier le directeur général d'avoir pris du temps, même s'il est très occupé, d'avoir pour assister à la réunion tripartite africaine. Dans le même esprit, j'aimerais remercier les partenaires sociaux qui ont fait preuve d'un bon esprit de tripartisme et enfin, du fond du cœur, dans un esprit de camaraderie, j'aimerais remercier tous les orateurs. Et j'aimerais remercier Son Excellence, Madame Joyce Banda, qui a pris le temps également de venir honorer cette conférence de sa présence, malgré un programme très chargé. Madame, que Dieu vous bénisse encore et toujours pour le travail excellent que vous avez réalisé. Et que l'esprit, nous sommes tous africains et nous pouvons parler de nos ancêtres, donc que les esprits de nos ancêtres continuent à vous guider. Vous nous avez guidés, vous nous avez montré l'exemple. J'ai moi-même été ministre de l'égalité homme-femme, donc je suis tout à fait d'accord avec vous et nous... Yes, to expand on that one, I'll say that we were both colonized. Nous avons été colonisés deux fois en tant que femmes. Nous avons été colonisés une première fois par l'histoire et ensuite par nos maris. Donc, cette conférence est bénie étant donné que Madame Joyce Banda lutte de la sorte pour l'égalité et pour la justice sociale. J'aimerais vous remercier donc pour le fait que vous faites tant avancer la question, la cause des femmes et la cause des enfants. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Son Excellence, Madame la Présidente, souhaite réagir très brièvement à la suite des déclarations formelles qui ont été faites par les représentants tripartites. Et par la suite, nous allons voir, en fonction du temps, donner la possibilité à la salle de poser quelques questions. Le programme de Son Excellence la Présidente est très chargée. Je demande l'indulgence de tous les collègues, de tous les délégués ici présents pour lui permettre de tirer quelques conclusions, de réagir à ces déclarations qui sont celles de l'ensemble de nos représentants et de pouvoir permettre à la Présidente de prolonger son calendrier. Merci donc de votre maniabilité et nous donnons la parole à la Présidente. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chair. Merci, Monsieur le Président. Tout ce que je peux dire, c'est que je remercie tous ceux qui se sont exprimés. Je voudrais que vous sachiez que tous les conseils que vous nous avez donnés seront pris très au sérieux, en particulier par moi-même. Et vous pouvez compter sur moi en tant que partenaire et en tant qu'avocate. En votre nom, je saisis cette occasion pour vous présenter le monsieur qui se trouve à ma droite. Ce monsieur a été ministre de la Justice au Malawi
procureur de la République à Malawi et au Swaziland, mais il a maintenant une position très particulière. Il est le seul et unique premier conjoint d'Afrique. He has told me. Il m'a dit que de tous les travaux, tous les postes qu'il a eus, c'est celui qu'il préfère. Thank you very much, distinguished ladies and gentlemen. May God bless you. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse. Thank you. La fête de l'eau pour la faille. Oh, Céline, oh, Céline, oh, Céline, oh, Céline, oh, on a la mouka qui est de mon salaire. Mon salaire n'est pas ça, c'est moi la vie. Chanta, Manon, Kisa, Bindi, Tara, City Girls, VIP, For Life. Nous avons salué avec beaucoup de satisfaction la présence et la communication de la présidente, son excellence Joyce Banda, qui est la présidente du Malawi et qui a fait l'honneur de tous les Africains, mais surtout de la femme africaine. Elle est une femme qui représente un symbole de dynamisme, de courage et d'abnégation. Elle s'est battue jusqu'à arriver au sommet de l'État malawite et je pense que toute la salle, toutes les nations du monde ont salué son courage ainsi que son discours. Nous aussi, au niveau de la RDC, nous l'encourageons. Nous encourageons aussi les femmes congolaises à plus de dynamisme. Je sais qu'il y en a qui sont très dynamiques, mais qu'elles puissent aller de l'avant pour que dans les années à venir, pourquoi pas, nous puissions aussi avoir une femme chef de l'État, de la RDC, pour démontrer notre caractère démocratique et impartial et surtout l'application de la Constitution, hein, qui insiste sur l'égalité entre l'homme et la femme en son article 14. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons nous séparer avec l'intégralité de votre intervention ici et à très bientôt. Merci beaucoup et à la prochaine occasion. May I invite Mr. Bahati Lukwebo, Minister of Employment, Labour and Social Welfare, Democratic Republic of Congo, to take the floor, and invite Mr. Pierre Courel, Workers Delegate of Nepal, to take his seat near the podium. Sorry for the confusion. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour votre élection au bureau de la conférence. Mes félicitations s'adressent également au directeur général du BIT pour sa première année à la tête de notre organisation.
Je profite de cette tribune pour transmettre les salutations du président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, ainsi que du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, chef du gouvernement, à tous les délégués à cette conférence. La République démocratique du Congo met l'accent sur le travail décent et attache une importance particulière à l'amélioration des conditions de travail respectueuses de la sécurité et de la santé des travailleurs. Pour faire face aux problèmes liés aux bouleversements économiques, tels que soulignés dans le rapport du directeur général de BIT, nous soutenons le cadre stratégique de 6 ans à la fin de la présente session. Les questions inscrites à l'ordre du jour ont retenu toute mon attention. C'est pourquoi je voudrais partager quelques informations avec cette auguste assemblée. En rapport avec les normes internationales du travail, le Code du travail congolais vient de subir une révision partielle pour l'adapter au climat des affaires. Le processus de restructuration de l'inspection du travail est en cours et je viens d'organiser, avec l'appui du BIT et du CRADAT, Centre régional africain d'administration du travail, un atelier qui a examiné et validé le programme global de formation des inspecteurs du travail au niveau national. D'ici la fin de l'année en cours, notre gouvernement va installer 2 tribunaux du travail dans la capitale et d'autres le seront progressivement en province. Lors de la célébration de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, le gouvernement représenté par le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévention sociale, ainsi que celui de la Santé publique, ainsi que le concours des partenaires sociaux, ont signé une déclaration tripartite d'engagement à assurer une campagne de sensibilisation à la culture de prévention des risques professionnels. Mon pays a élaboré en 2011 un plan d'action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. En ce qui concerne la protection de l'enfant, le Premier ministre et le représentant du secrétaire général des Nations Unies, chargé des enfants dans les conflits armés, ont signé en octobre 2012 un plan d'action pour la lutte contre le recrutement des enfants ainsi que d'autres violations graves des droits de l'enfant par les forces armées et les services de sécurité. Le projet d'appui à l'emploi des jeunes en cours d'exécution dans la province du Katanga, avec l'appui technique du BIT, sur financement du Royaume de Belgique, prouve à suffisance l'engagement du gouvernement à répondre à l'interpellation du secrétaire général des Nations Unies qui dit « passer à l'action, il est temps d'agir ». Concernant la protection sociale, 2 projets de loi portant respectivement code de sécurité sociale et régissant les principes fondamentaux relatifs aux mutuelles ont été adoptés par le gouvernement après les travaux de la 30e session du Conseil national du travail qui a eu lieu en novembre 2012. Ces 2 projets sont en examen au niveau du Parlement. Le processus d'élaboration de la politique nationale de protection sociale a été lancé en octobre 2012 pour asseoir le socle national de protection sociale. La République démocratique du Congo, dont le potentiel en énergie renouvelable évalué à 45% des réserves mondiales et 774 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique, est dans la phase de l'élaboration d'une politique environnementale. Je reste convaincu que le dialogue social tripartite et bipartite reste le cadre privilégié de recherche de solutions aux problèmes qui se posent dans le monde du travail. Je ne peux terminer mon adresse sans parler du programme pays pour le travail décent, dont la signature interviendra incessamment dans mon pays. Je vous remercie. Honorable Serge Kayembe. Itzamala manga kotela ya mofude.
Uganda. Bato ba yeba kini somi bali ba koma kose kangai. Kala ekuna masi ya kima ye koma kokondo zoto. Zungela ngala lingio osala mabwete na kwa ya kukufa pa. Je t'y ai qu'il n'a qu'il est beau, papy.